La gueule que j'ai, sans déconner, c'est terrifiant. J'ai des cernes énormes avec cet éclairage pourri. J'ai attaché mes cheveux, du coup j'ai une dégaine de merde. Mais bon, d'un côté je vais faire des travaux, donc je ne vais pas m'apprêter de fou. Puis au final, je vais juste faire des travaux quoi. Il n'y a aucun intérêt, mon petit Michel. Donc, du coup aujourd'hui nous sommes le 19 octobre, samedi 19 octobre. J'ai envie de vous placer quelque part, mais je sais pas où. C'est nouveau pour moi les vlogs et du coup je ne sais pas où vous placer. Je vais tenter une technique légendaire de vous placer. Ça ne marche absolument pas. Quelle est cette technique qui ne marche pas, Kiki? Quelle est cette technique qui ne marche pas? Sinon il suffirait tout simplement que je prenne mon trépied et ça marcherait très bien. Ça va être très drôle pour moi de monter cette vidéo puisque je vais voir l'évolution au fur et à mesure du montage. Ça va être assez rigolo. Du coup le programme d'aujourd'hui c'est de préparer les peintures pour demain, puisque dimanche je vais commencer les peintures, le bleu pour ma chambre et ce rouge-ci pour tout simplement le bureau. J'en avais fait un live, j'avais live un soir et je vous avais montré pas mal de panels de peintures différents, pas mal de coloris différents. Il y avait le rouge, le bleu, ce même style en vert et un orange dans le même style, très genre sorcière, mais il était vraiment cool. Et ce qui est revenu le plus, c'est le rouge juste ici, c'est celui que vous trouvez le plus beau et vous dites qu'en fait c'est celui qui s'accordera finalement le plus avec le décor que je veux faire, étant donné que je suis fan, ça me perturbe cette gueule, étant donné que je suis fan de Pennywise, vous m'avez dit Kiki clairement ce qui va le mieux matcher avec ton décor c'est le rouge, et étant donné que toute ma charte graphique a changé au niveau du live, c'est maintenant le code couleur un peu Stranger Things, donc noir et rouge, et c'est même carrément Stranger Things avec les néons et tout, et par la suite j'ai un autre truc aussi à faire avec des néons, ça va être pas mal, mais ça je vous ferai peut-être. Je sais pas du coup si ça apparaîtra dans ce fameux vlog. Je ne sais pas si ça sera disponible ou pas, puisqu'il faut encore que je regarde pour acheter les LED et tout. C'est tout un truc, bref. Alors là c'était juste pour vous dire que je vais partir en fait tout simplement dans l'autre maison pour en fait préparer les peintures. Donc il va falloir faire un truc magnifique que tout le monde adore quand on fait de la peinture, mettre les bâches, protéger les plantes, mettre des scotch autour des prises, un gros kiff quoi, un gros kiff. Donc je ne sais pas par contre si je vous filme aussi ma chambre, franchement est-ce qu'il y a un intérêt à filmer ma chambre? Pour le moment je pense pas, puisque bah vous ce qui vous intéresse c'est le setup principalement, et en live je vous en ai parlé, vous avez dit que la chambre ça pouvait être cool aussi, donc au pire je vous montrerai les peintures aussi pour la chambre. Est-ce que ça serait pas mieux comme ça, sérieux? Je pense que ça serait mieux comme ça. Bon, les amis, du coup, c'est toujours cette dégaine dégueulasse, hein, puisqu'on en fout le nettoyage et tout. Donc, du coup, là, on est dans ma chambre. Alors, actuellement, on est dans ma chambre, qui n'est pas très belle, on va pas se mentir, avec les murs roses et tout, enfin, l'espèce de truc rose. Et regardez derrière. Alors, je peux vous montrer, quoi. Hop. Il y a un espèce d'effet contre le mur, dégueulasse, qu'il va falloir que je nettoie, en fait, il va falloir frotter et tout pour la surface. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai enlevé le papier par ce moment tellement bien. Maintenant il va falloir décoller en fait tous les résidus restants. Donc en fait là je suis en train de tout tremper à l'intérieur pour pouvoir décoller tous les résidus restants du papier peint. Et dès que ce sera prêt, je passe un petit peu d'aspirateur après c'est propre. Au moins ce sera prêt à être accueilli pour la sous-couche. Donc bah je ne vais pas parler plus longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire là. Après il faut que je nettoie tous les murs, que je bâche, que je protège les prises. Donc la pièce sera prête, après ma chambre sera prête demain pour les sous-couches et les peintures. Et après je vais juste bâcher de l'autre côté mon bureau, comme ça sera prêt aussi pour accueillir demain la sous-couche et les peintures. Bon, il y a clairement eu plein de trucs à faire, il se fait tard. Et j'en suis encore à ce putain de papier peint. J'ai pas fait que ça, mais j'en suis encore à ce... On se retrouve avec cette histoire de papier peint. Alors ce moment par contre, hyper, hyper cool. Quand tu décolles le papier peint, ça s'en va tout seul, attention. Ce moment, genre, hyper bien. Hyper satisfaisant. Quand le papier peint vient tout seul, quoi. C'est genre, c'est pas le truc hyper satisfaisant. Dans les commentaires, je suis sûre que là, vous êtes en mode... Putain, j'ai trop envie d'arracher les lambeaux qui... C'est hyper satisfaisant quand t'arrives à enlever comme ça, c'est trop bien. Du coup, pour ce soir, bah, je vais m'arrêter là. Attends, je me trompe.
pour ce soir, je vais m'arrêter là, les amis. Tous ces bruits de lampe, beaucoup de bruit. Je vais m'arrêter ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le tour. Vite fait, j'ai les mains blanches. Je vais défoncer la caméra, ça me fait chier. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais enlever la caméra. Je vais me mettre comme ça et je vais vous montrer du coup, enfin je vais retourner le truc et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la pièce, donc ma chambre à l'heure actuelle et du coup, hop, je dégueulasse clairement ma caméra. Donc du coup ici, ça c'est ma chambre dans un premier temps déjà, ça c'est ma chambre. Du coup, il va falloir refaire les peintures, tous les trous qu'il y a juste ici demain matin, il faut que j'enlève tout ça, que je rebouche avec du placo proprement, que je nettoie les murs parce que comme vous voyez sur les murs, attendez, petit focus. On en reparle. Focus, Michel. S'il te plaît, Michel, je veux un focus. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, c'est bon. Il est activé. Donc, juste ici, en fait, c'est hyper chiant. Ça a un effet, une espèce de texture en peinture qui est d'un moche. Donc, il va falloir mettre une soucoupe. Déjà nettoyer les murs parce que, du coup, il y a plein de trucs blancs qui tombent. Donc, il va falloir nettoyer les murs, passer une sous-couche et après la peinture. Donc, reboucher ces trous-là, objectif. Dès demain, clean ça. Ensuite, la sous-couche à faire. Reboucher du coup les trous, moi je dois continuer ici en fait, je pense que je mettrai une espèce de, je sais pas, je vais mettre des étagères pour mettre des fringues à l'intérieur. Donc ce qu'il faut savoir c'est que tout va être noyé dans la masse, que ce soit la porte et tout le reste, tout ça, ça va être en bleu pétrole pour le coup. Je sais ça va faire foncer, mais après j'ai une idée bien en tête avec le coup des lights et tout, donc je pense que ça peut être cool. Si on a le papier peint, ceci, cela. Ensuite, je continue mon chemin. Et là, du coup, c'est mon bureau, les amis. J'allume ça. Ici, c'est mon futur bureau. Le nouveau bureau. Donc, vous n'êtes pas savoir, comme je vous avais dit, que j'habitais... Enfin, j'habite toujours, du coup, avec ma mère. Et en fait, elle a déménagé, puisque bah, c'est trop petit, en fait, depuis mon retour. Et ici, ce sera mon bureau. Donc, ici, en fait, il faut imaginer que le mur, techniquement, il restera de cette couleur. Je suis désolée si ça résonne, mais j'ai pas d'autre choix. Il n'y a pas de meubles. Donc, ici, ça sera le bureau. OK. Ici, les green screen pour les lives. À partir de là, ça sera pas en rouge, un espèce de rouge ici en rouge, ici en rouge, ok. Ici il y aura le meuble Kallax, donc le meuble décoratif que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos, il sera juste ici. Il y a un flou, Michel, remets-toi, il y a un flou, on est sur un flou, voilà, c'est bon, il a réussi à focus, bon, on va dire que c'est comme ça. Donc ici tout va être peint, les deux appliques, elles dégagent, pourquoi? Parce que la Kallax déjà les touchera, sauf que au plafond, je n'ai pas d'ampoule, il n'y a rien au plafond, donc il va falloir que on fasse un trou au plafond pour pouvoir mettre la lumière. Ensuite ici, lors d'un live on en avait parlé, j'aimerais mettre mon logo juste là, enfin, le faire moi-même, un DIY, c'est toujours aussi fou, je sais pas pourquoi, bref, mais en fait ici tout en haut j'aimerais avoir mon logo du coup en LED tout simplement, donc il faut que j'achète, il faut que je me renseigne pour ça, ça coûte pas très cher à ce que j'ai cru comprendre, donc il faut que je me renseigne et je ferai peut-être un DIY, c'est très désagréable le flou. Donc du coup voilà le premier pot du coup avec la couleur du futur bureau, du futur setup. Alors vous, là vous n'arrivez pas très bien à vous imaginer la couleur parce que c'est, voilà, on a, y a une lumière de merde, on voit pas bien, c'est juste un échantillon, mais du coup on est sur la couleur Love Struck. Juste ici, un pot de 10 litres, Michel, comme ça c'est bon. La sous-couche ici, donc les bâches, tout ce qu'il faut, tout ça, tout ça. On a ensuite l'enduit pour reboucher tous les trous qu'il y a, ça va être fun. Et ici, on a du coup la couleur de mon bureau, de ma chambre. Alors on dirait là clairement que c'est un noir, pas du tout, c'est un bleu. Sauf que comme je vous ai dit, avec l'éclairage, il fait nuit là, c'est pas évident de bien voir ce que c'est. Donc voilà, c'est les deux peintures qu'il va y avoir. Donc les amis, pour ce soir, mes amis, on va s'arrêter ici. Pour vous, en fait, rien ne change. Genre, ça va vous couper une seconde. Pour moi, je vais dormir entre temps, quoi, tout simplement. Donc, demain, finalement, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais aujourd'hui, mais ça a mis beaucoup de temps. Et dans ma tête, c'était oh, ça va très vite. Bah non, en fait, ça va pas vite du tout. C'est chiant, c'est long. Donc, demain, ça sera plus intéressant pour le coup. Donc, les amis, je vous dis à tout de suite.
Jour 2 les amis, et j'ai toujours une tête dégueulasse. J'ai attaché mes cheveux avec une pince, bah, dégueulasse, on s'en fout. On est là pour faire les peintures, on n'est pas là pour faire un défilé Victoria's Secret pour Michel. Donc du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai pas ouvert directement. Je vous ai pas fait coup. En fait directement, j'ai attaqué les peintures. C'était long. On a dû faire en fait tout ce qui était pour avant de faire la sous-couche. En fait, il a fallu nettoyer les murs pour enlever toutes les aspérités et tout. Il a fallu reboucher les trous qu'il y avait et là on a fait la sous-couche. Moi j'ai déjà attaqué encore ce dressing, vous savez ce meuble horrible là, avec le papier peint là. Horrible, là c'est en train d'être terminé. Du coup la première sous-couche a été passée, c'est bon. Nickel, il va falloir en refaire une deuxième. Et là, je vous montrer, j'étais en train de bâcher en fait le bureau. Et du coup on est en train de regarder pour les prises et tout pour les changer pour que ça corresponde mieux avec le setup parce que là les prises n'ont pas la paire et tout donc c'est un peu compliqué. Il faudra faire un trou aussi ici pour avoir une lampe. Sinon voilà. Donc là je vais faire tous les contours et puis on va peindre tout simplement. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour de vlog aujourd'hui. Alors pour vous c'est une demi-seconde, pour moi c'est carrément plusieurs jours. J'ai pas vlogué hier pour le coup, puisque en fait hier j'ai été faire la sous-couche dans mon bureau. Donc je voyais pas trop l'intérêt de refilmer ça de nouveau. J'ai dû bâcher en fait le sol, j'ai dû faire tout ce qui est préparation en fait, protéger les fenêtres, le sol, les plinthes, tout ce genre de choses. C'est un peu chiant, on va pas se mentir, c'est un petit peu chiant. Donc j'ai fait tout ça. J'ai aussi dans ma chambre de l'autre côté, le papier peint est full décollé, c'est bon. J'ai dû tout asperger avec de l'eau chaude et j'ai réussi à tout décoller. C'était long, c'était très très long et très très chiant. Il faut que j'arrive à tenir cette caméra bien droite, mon petit Michel. Aujourd'hui du coup nous sommes mardi 22 octobre, il est 16h24, dans quelques minutes je vais partir dans l'autre maison et ça y est, aujourd'hui on attaque enfin les peintures. J'ai tellement hâte d'attaquer les peintures, sans déconner, vous allez voir ça va être stylé. Je pense qu'aujourd'hui on va faire principalement mon bureau en du coup la fameuse couleur rouge. Alors j'ai normalement, voilà, juste ici j'ai un échantillon en fait de la couleur de mon bureau qui est juste là. Voici la nouvelle couleur, mon petit Michel. C'est rouge. On est d'accord que c'est... On est d'accord que c'est framboise là. Attends, est-ce qu'il faut pas touiller? Est-ce que la, genre la tente, est-ce que l'encre elle a pas foutu le coup? Non, c'est parce qu'elle est pas sèche. Ah putain. Tu vois bien que là elle est mate. Thank you.
Et voilà le résultat final, les amis. Voilà le décor dans lequel je vais désormais tourner mes vidéos pendant les mois qui vont suivre. J'espère de tout cœur que le décor vous plaît. Moi, personnellement, gros kiff dessus. Il y a la fenêtre qui est ouverte. Donc, au cas où, si vous voyez là une zone blanche, c'est tout simplement la fenêtre, en fait. Hein. C'est juste que c'est ouvert, donc c'est la lumière qui est en train de passer. Mais j'espère de tout cœur que ce décor vous plaît. Sur Twitch, les gens étaient au courant depuis 3 jours du nouveau décor. Ils avaient vu l'aperçu. Enfin, ils avaient carrément vu le nouveau décor, puisque je l'avais dévoilé sur Twitch en avant-première. Et personnellement, ça a été super bien accueilli. Et les gens ont kiffé ce décor. Pour moi, enfin durant les 5 ans, 6 ans maintenant de vidéos que je fais sur YouTube, pour moi c'est le décor le plus abouti et le plus beau que j'ai pu faire. Je le trouve super beau et complètement à mon image. C'est tout moi. Il y a du World of Warcraft, il y a du Pennywise, il y a du Death Stranding, il y a des choses un peu horrifiques, il y a plein de trucs qui font que je suis Kira, tout simplement. Il y a une zone, la Belle et la Bête. Par contre, vous la voyez pas dans le décor, cette section-là. D'ailleurs, vous voyez un petit morceau de Pikachu. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas montré en fait certaines parties du setup, les compos exacts, ce que j'utilise pour record, ceci, cela, puisque c'était pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était plus mon nouveau bureau et ma chambre. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'ai pas mis de vidéo en fait de la chambre. Vous avez pas vu à quoi elle ressemblait après, donc je vous ferai quelques petits aperçus à partir de maintenant. Donc j'ai acheté une petite planche toute simple à, je crois c'est à Brico Dépôt que j'ai fait couper la planche. Ça m'a coûté que dalle, genre même pas 30 euros, moins de 30 euros. J'ai pris des pieds avec, ça a été hyper rapide à mettre en place. Il n'y a pas grand chose, il y a un petit dressing classique, vraiment un petit lit, il n'y a pas grand chose pour le coup, mais voilà, c'est une chambre, c'est juste pour dormir, ça j'en ai un peu rien à faire pour le coup. Moi le plus important c'était vraiment le bureau qui allait être ici et dans lequel j'allais tourner mes futures vidéos. Je vous ai pas tourné le moment où je mettais le décor en place, donc l'épée du roi Lich, ainsi de suite, tout simplement parce que, en fait, comme vous avez pu voir, déjà la vidéo est arrivée extrêmement en retard, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle commence, là je suis sur la table de montage, elle commence le 19 octobre, là à l'heure où moi je tourne cette vidéo, on est le 22 janvier 2020. Et oui, il s'en est passé des choses, les amis. Donc du coup, en fait, j'ai été complètement absente des réseaux, je suis partie à la base pour un week-end finalement. Je suis restée, je me suis absentée des réseaux pendant 2 mois finalement. Ça a été long, mais c'était nécessaire finalement pour aller mieux, puisque j'avais vraiment besoin d'une grande pause. Et en parallèle aussi, j'ai été coupée avec la SNCF. Hein. Je ne pouvais pas rentrer sur au moment des périodes de fête. C'était une catastrophe de rentrer avec la SNCF, tout ça, tout ça. Mais du coup, finalement, ça m'a fait beaucoup de bien d'être absente des réseaux sociaux pendant 2 mois. Ça m'a permis de recharger les batteries à fond avec cette année 2019 qui n'avait pas été au top, vous le savez, je ne vais pas répéter. J'avais vraiment besoin finalement, je pense, de souffler un gros coup, ce que je n'avais pas encore fait. Et là, c'est fait. Ça fait trop du bien. Je suis remotivée, 1 milliard. J'ai plein de trucs hyper cool qui vont arriver prochainement, les amis, vous allez voir. D'ailleurs, il va y avoir des concours qui vont débarquer sur la chaîne, vous allez voir ça. Ça va être sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et sur Twitch. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, sinon vous allez rater quelques concours, les amis. Moi, je dis ça, je dis rien. La chose la plus importante à retenir, c'est que je suis de retour pour de bon cette fois-ci. Je ne compte pas m'absenter pendant 2 mois en vidéo, ne vous inquiétez pas. On se retrouve ce soir à partir de 21h pour un nouveau live sur Twitch, puisque, comme vous le savez, tous les jours, peut-être sauf le dimanche quand même, mon petit Michel, je stream sur Twitch, j'adore me poser avec vous, on part sur de la react, on fait du jeu d'horreur, on fait du jeu en VR, l'autre coup c'était du Beat Saber, qu'est-ce que j'ai eu mal au bras, mon petit Michel, si tu as raté ça, tu as raté un grand moment. Je vous parle un petit peu de ma vie perso, je vous montre petit Pearl qui n'est plus petit, c'est n'importe quoi, il a trop grandi. Regardez-moi ça, la taille, regardez ça. Cette chose n'a que... Cette chose est très jeune, elle n'a que 10 mois. Elle n'a que 10 mois, cette créature. Et aussi le vlog de la PGW que j'ai pas eu l'occasion de monter. Là, j'ai chopé les rushs, je les ai mis sur le PC. Du coup, ça va arriver. Il va y avoir aussi du retard, forcément, puisque la PGW, c'était quoi, fin octobre, début novembre, je sais plus. Et là, on est en janvier. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux que la vidéo arrive maintenant que trop tard. La vidéo PGW arrive donc cette semaine, les amis, et une vidéo sur Outlast aussi arrive cette semaine. Je pense que ça va bien vous faire marrer. En attendant, j'espère vraiment que vous kiffez le nouveau décor, que vous allez kiffer les prochaines vidéos qui vont arriver. Je suis reboostée à 1 milliard %. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, et comme d'habitude, je vous aime 3 fois 1000. Ciao.